le grand jury européen s'est réuni au château La Dauphine pour déguster tous les vins du Grand Cercle, qui est la jonction actuellement du Cercle Rive Gauche et du Nouveau Cercle Rive Droite, dans le millésime 2010. Comme d'habitude, le grand jury réunit au moins des dégustateurs de 6 pays différents, et avec l'optique toujours d'avoir tous les points de vue sur le vin. Un sommelier, un journaliste, un producteur, un grand amateur, un négociant. Et cette année, il faut vraiment le dire, on a eu un millésime avec le 2010 qui était et qui est exceptionnel. On a là, à Bordeaux, la preuve qu'il y a des rapports qualité-prix de tout premier ordre. Les vins développent une toute belle harmonie, ont une finale de grande élégance et les tanins sont déjà pratiquement fondus. Donc, s'il y a une belle approche à faire du monde de Bordeaux, c'est de déguster les 2010 de ce groupe, notamment avec des vins qui sont de véritables chefs-d'œuvre en rapport qualité-prix, comme Fleur Cardinal, comme Au Carl, comme Roland de Bie, comme Au Condissas et comme tant d'autres. Bravo pour ce qui a été fait par ces producteurs qui ne sont pas aussi connus que les grands crus classés, mais qui font vraiment